ou sous journée gouvernement. Eh bien, au Cap Haïtien, jeudi soir qui s'est passé à la, subi une inondation. La pluie tombée envahit plusieurs quartiers. Mécanisme gouvernemental là qui en place pour faire face à inondation, pour faire face à catastrophe naturelle, te mette li en branle pour au Cap Haïtien. Toute organisation, toute structure gouvernementale là, que c'est FAES, ministère intérieur, DPC, délégation, tout le monde sa honnête, te campé sous deux pieds militaires depuis jeudi soir pour venir en aide à la population. Yon nan quartier qui touché, c'est quartier Petit Anse là. Côté que Mounio, en pleine nuit, à partir de 8h10 soir pour arriver vers 2h du matin, de l'eau montée, de l'eau envahie, tout ça y a gagné. Côté nous y est là, nous dans Petit Anse, nous avons Madame Marlène. Madame Marlène qui a expliqué nous qui j'en vivre jour jeudi soir ça. Bon, 8h moins, nous sommes ensemble avec deux petites moyennes dans là. Les garder. Moi de l'eau a monté. Même côté me sortir, en dedans quand voisin ça déjà plein de l'eau. Monter j'ai peur. Nous t'es allé dans l'église adventiste là. Là nous revenons dans l'église adventiste là. Bon dit nous bon y a voué nous dans gymnase. Dans gymnase pas nous dit nous pas pour aller parce que il trop loin et puis bon mettez nous dans lycée là. Mais depuis les m'rivé à moi même pas gain mari, moi maman savait avait deux bébés dans même, yon gain 10 ans, yon après gain 5 ans. C'est moi seul mon petit Jean pas caché ça, mon petit Jean misérable. Et la pluie tombé en pile et la pluie tombé dans la soirée. Et une fois que nous t'ai météo t'ai informé nous de ça, nous t'ai mobilisé toute force nous, moi dans radio, parler avec monde et informer la population de situation et alerter pour réveiller, pour veiller et nous automatiquement nous t'ai déployé pompiers dans toute zone avec protection civile et à la témoigne rester j'ai clair veiller si gain de l'eau déplacer en façon pour nous t'ai cap et ça qui est plus important dans temps ça en tant qu'autorité c'est make sure que monde pas mourir et nous gérer bagaille de façon on pense de façon dynamique et de façon rationnelle en fonction de gens situation pas évoluer. Et une fois que ça, nous, parce que nous faisons de façon hiérarchisée, Kazek, magistrat, vice-délégué. Et une fois que gros problème, magistrat Kazek avec vice-délégué, on met ensemble. Si gros problème, il y aurait les noms dans la délégation, il y a besoin de gaz, il y a besoin de manger, il y a besoin de l'eau. Nous-mêmes, nous mobilisons toutes forces et directeurs départementaux qui étaient dans la délégation pendant tous les trois jours, dormi là, en façon pour nous réagir rapide. Cuisinier à cuisinière, programme aider peuple, cuisinier à cuisinière, pays d'Haïti, cuisinier à cuisinière, PAO avec moi a préparé 3500 plats pour que Capois avec Capoise qui a subi l'inondation et moun tout qui n'a pas de moyens pour manger, pour capable jouer nos plats chauds. Distribution qu'on a fait tout à l'heure, j'en ai regardé là, eh bien, manger à préparer pour que moun qui n'a grand goût capable jouer de manger. C'est une priorité du gouvernement de la motte là, c'est bail petit peuple là manger. Et nous connaissons un cadre qui fait arriver au Cap Haïtien là, dernière inondation qui s'est passée là. Et en pile, toute entité gouvernementale qui est mobilisée, comme d'habitude, même si on a fait pour Isaac, même si on a fait pour Sandy. Et dans le cadre de FAES, même on a des programmes bien spécifiques. Et cuisine mobile, ça, c'est deux cuisines mobiles que nous avons, que la présidence gagne. Nous avons là, nous avons tout le logo là. Et par rapport au programme à Bagangoua, que nous avons arrivé, nous faisons diligence qui au Cap rapidement. Nous avons arrivé matin à 5h du matin, route la pâte facile, parce que si nous gardons la production cuisine qui est plus de 60 pieds de long, nous avons mis deux machines ensemble. Et nous avons dépêché, nous avons obligé de mettre sur flatbed. Nous pouvons arriver au Cap là. Donc là, actuellement, nous avons 3500 plats à Paris derrière là. Après, cuisiner à faire manger là. Donc nous parlons tout à l'heure qu'on s'en parle dans la banane, nous allons faire à peu près 1000 plats. Nous parlons tout à l'heure pour viser, tout pour faire 3500 plats pendant la journée. Ensuite, cuisine, ça va être au moins 5 ou 6 jours au Cap. Le temps qu'il faudra pour atteindre toute sinistre, pour atteindre toute zone qui est à tête. Pour nous faire un premier plat chaud, parce que quand il y a des gens qui perdent tout à l'heure, qui n'ont pas rien pour cuire manger, pour faire rien. Pour les faire, il y a certains programmes que nous sommes intervenus. Donc, panier solidarité et tout, que nous avons de hier seulement, nous arrivons hier, nous avons 5000 paniers de solidarité. Je veux dire, il y a toute distribution qui a fait là, qui parle par un deuxième 5000, et tout le plâcheur a commencé. Et en même temps, nous avons des bons d'urgence qui ont distribué tout, qui c'est le programme de partie d'aide des peuples qui baille, monde qui sinistre un peu là, ou balle, un bon d'urgence de 1000 gouttes pour faire face rapidement à la situation. Hein. Donc, à trois programmes, ça, on a essayé d'atteindre le plus de monde possible. Il y a des gens qui ont un panier, il y a des gens qui ont un plâcheur, il y a des gens qui ont un bon d'urgence. Mais encore une fois, je me dis, ce n'est pas FAES qui a été venu. Il y a TPTC qui est là, CNE qui est là, ministère intérieur qui est là, direction. Et tout le bagage soit fait en coordination avec la direction de la protection civile, qui c'est lui-même qui a fait enquête là pour effectivement côté mon sinistre, côté mon plus besoin. Catastrophe naturelle arrive dans tout le pays. Ce qui est important, c'est les problèmes qui arrivent, que le gouvernement a gagné volonté, le gouvernement avec les moyens qu'il a gagné, eh bien, il est capable de courir pour tes secours à la population qui est en danger. C'est ça que le gouvernement de la Motte l'a fait depuis que l'inondation a fait dans le Cap Haïtien. Journée aujourd'hui, là, dans Fort Liberté, dans la localité Roméo, eh bien, il y a une distribution de kits
que ministre intérieur Ronsard Saint-Cyr, DG Fayès là, monsieur Klaas Eberwein a porté by population qui ont même frappé par inondation. Donc gouvernement li sous pied li là les problèmes c'est comme ça li prend responsabilité li pour li marcher avec peuple pour li capable aider peuple. Président avec un premier ministre demandé moi pour venir dans nord et nord-est avec une délégation qui gagne Fayès avec nous DGA. Nous avons mis à l'écriture là, nous avons deux directeurs de DPTC qui viennent à l'île faire, premièrement, venir en aide à monde qui frappe, deuxièmement, faire une évaluation des dégâts pour nous apporter des réparations de manière durable. Hier, on était dans le nord, nous avons fait des discussions sur 3 ou 4 points avec l'autorité. Ensuite, là, quand on est dans le nord-est, on a fait des discussions dans le Malfetti, pour nous avons vraiment frappé. Pour l'environnement, la voyons nous là, attendre, nous content que le président Paroua vienne pour nous en aide. Mais nous faisons une mission, on a là, nous allons faire un rapport de dégâts qui fait le département pour nous capables, si tu as avec le président, le premier ministre, pour faire une évaluation, pour que nous allons intervenir dans les rivières, pour faire le gabionnage, protéger les berges, passer leur sang, pour l'année prochaine, pour ne pas avoir un problème ça encore. J'aime tout, je ne vais pas répéter. Normalement, l'homme nous a dépassé. Pendant les 3 premiers jours, nous prenons en charge nourriture, habits dormis, eau potable. Ensuite, nous allons en bonne diligence avec qui à la caillou, après ce bâtiment de manger puis à l'école, en avec nous gouvernement, avec d'autres mesures durables pour l'année prochaine, puis ça va répéter encore. Nous disons un gros merci parce que côté nous, l'autre vent depuis vendredi soir, c'est là Nabdom, nous avons un côté Nabdom. Nous disons un gros merci pour la participation. Paul Mivoué. Représentant parle, nous dit merci pour le terrain toujours servi nous toujours. En haut, droit matin, pour ça, matin, il fait pour moi, bon Dieu, j'aime te voter matin, lui. Matin, son beau papa y est. Mais de l'eau passée, de l'eau prend un petit caille tachine, un petit caille dans la chambre. De l'eau prend un de l'eau, mais je vais dormir. Ma prière, bon Dieu, pour bon Dieu descendre dans la nous. Pour bon Dieu, café, c'est un moment pour nous. Action gouvernement de la mort, là, pour venir en aide à mon nord, mon nord-est, mon nip qui frappé par inondation semaine dernière, là, eh bien, les réels, les concrets, c'est rien. Gouvernement campé à côté de Mounsayo pour être capable d'aider. Par distribution de bons d'urgence, distribution de paniers solidarité, distribution de plats chauds pour Mounsayo, nous connaissons qui perdu toute affaire. Pour nous, là, derrière là, c'est distribution de plats chauds qui a fait. Non, banane, dans au cap haïtien pour capable aider mounyo, moun sa yo qui pas joine, qui pas gagne rien pour yo manger parce que yo perdu toute affaire yo. Salut réalisateur nous, Régis Daniel, c'était journée gouvernement au cap.